Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le reboot de Samurai Shodown, sorti sur PS4. Alors, j'ai traîné un petit peu avant de sortir ce test, je n'ai pas eu beaucoup le temps, donc désolé, ça fait plus d'un mois que cette vidéo doit se tourner, mais ça ne se fait pas. Du coup, devinez qui tente de revenir sur le devant de la scène. Sega ! Ouh là là, non, pas du tout. Deuxième essai. Je le trouve beaucoup plus similaire au deuxième épisode sur Neo Geo. Voici une petite comparaison entre les deux versions. Vous pourrez constater que c'est relativement proche. Tout comme dans les précédents épisodes, le titre est très technique. Nous n'allons pas nous attarder sur les différentes techniques étant donné que tout est expliqué dans le tutoriel. Comme auparavant, il sera possible de désarmer l'adversaire. Lorsque vous infligerez un coup de même puissance à votre adversaire, vous allez entrer dans une sorte de duel dans lequel il faudra spammer les touches de votre manette. Une fois ce duel remporté, l'adversaire perdra son arme et il devra la récupérer s'il désire être toujours au top de sa forme. Vous ne serez toutefois pas une victime étant désarmé, vous pourrez bloquer la lame de votre adversaire. Lorsque vous aurez remporté le dernier round du match, vous allez pouvoir découper votre adversaire ou lui couper ses points vitaux, comme auparavant également. Vous pourrez opter pour trois différentes techniques surpuissantes, cependant elles ne seront utilisables qu'une seule fois par match. A vous de les utiliser à bon escient, cela fera pencher soit le match en votre faveur, soit en votre défaveur évidemment. Ayant commandé l'édition spéciale de ce titre en version japonaise, je vous propose l'unboxing de celle-ci. Si vous travaillez aux douanes, enculé ! 44 euros de douane juste pour ce petit colis venant du Japon. Merci les douanes, en ne faisant rien, juste en contrôlant les colis. Visiblement, en plus, vous êtes con comme des manches. MVS, eh ben, c'est pas du MVS du tout. Comme à la grande époque, boîte à clips. Clac. Non, c'est une blague.
édition japonaise. Au niveau des graphismes, on oscille entre l'excellent et le moins bon. Par exemple, les scènes d'ouverture du mode histoire sont magnifiques, il y a des superpositions, etc. C'est vraiment très joli, vous allez pouvoir voir un aperçu. Au niveau des décors, certains seront assez limites pour de la PS4. Les capacités de la PlayStation 4 sont loin d'être poussées dans leur dernier retranchement. Le titre aurait très certainement pu tourner sur une PlayStation 3. Les protagonistes auront une texture assez particulière, une sorte de quadrillage, ce sera très flagrant. Pour moi, c'est assez douteux. J'aurais préféré largement un joli cel shading du style King of Fighters 13, par exemple. Au niveau des musiques du titre, moi je resterais plutôt avec une préférence pour les titres AES. C'est pas moche, ça remixe et ça remet peut-être un peu au goût du jour, mais sans aucune originalité. Chaque personnage aura droit à son propre mode histoire, c'est assez anecdotique, mais ça a le mérite d'exister. Nous allons passer au grand point fort de ce titre, c'est le gameplay, qui n'a presque pas bougé depuis les épisodes AES. Cela reste technique, mais simple à prendre en main, très agréable, c'est vraiment très très bon. Certains râleront peut-être sur le fait que le Desperation Move sont trop faciles à réaliser, et la manipulation restera la même pour tous les personnages. Alors ça, c'est un choix perso, vous allez dire, oui, ça reste un jeu d'arcade, c'est beaucoup mieux au stick, mais utilisez les sticks de la PS4, parce que la croix directionnelle n'est pas du tout adaptée à cela. Clairement pas. Donc nous allons aborder les points positifs du titre, tout en étant abordable pour les novices comme pour les pros. Le gameplay est jouissif tout en étant technique. Le mode d'entraînement est un exemple dans le style, vous allez pouvoir utiliser le second personnage afin de vous entraîner à riposter, ce qui est assez unique. La version du titre n'est pas la version finale étant donné que certains personnages sortent régulièrement. Je n'ai pu tester ici que le premier personnage sorti. Pour la plupart des jeux de combat, hein, c'est aussi un point positif, la rejouabilité, surtout si vous jouez en mode versus. Maintenant, il est temps d'aborder les points négatifs, et le plus gros point négatif à mes yeux, c'est les temps de chargement. C'est horrible. Il n'y a qu'à regarder, voilà, preuve en image. Deuxième point négatif, non des moindres, le boss final, nul. Ouais, on va dire pourquoi tu râles, c'est la difficulté, c'est normal, les jeux SNK c'était comme ça à l'époque. Non, y a rien au niveau gameplay. C'est un simple spam de touches, le boss ne remuera même pas le petit doigt, vous allez avoir plein d'attaques sur la tronche, c'est complètement débile. J'ai regardé du gameplay sur internet de personnes ayant une très grande maîtrise du jeu, et même contre le boss final, c'est impossible de jouer correctement, c'est au petit bonheur la chance. Que vous bloquiez ces attaques ou pas, que vous y allez comme un bourrin, le résultat est pareil. Et si vous le trouvez déjà compliqué dans la première phase, attention dans sa phase énervée. Autre petit point négatif, ayant rajouté des personnages en téléchargement, ils ne seront pas disponibles sur la page d'accueil. Il va falloir passer par une autre page, ce qui est à mes yeux un petit peu con. Au niveau des graphismes par rapport à la concurrence, c'est clairement en deçà. Donc ça reste dans... Nous allons donc pouvoir considérer ça comme un point négatif. Espérons que s'il y a une suite, ce soit beaucoup plus optimisé, beaucoup plus joli. Et en tout cas, exploitant les capacités de la console sur laquelle cela va sortir. Si vous le désirez, ne partez pas tout de suite. Après le générique de fin, vous allez pouvoir avoir une compilation des super attaques. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Let's go!
Maintenant. しっかりおらん！さあ気になるぜ！